dureté d'une eau. Une eau dure est une eau qui contient beaucoup d'ions dissous, en particulier des ions calcium et des ions magnésium. La dureté d'une eau est mesurée par sa teneur en ions calcium et magnésium, c'est-à-dire par la masse d'ions calcium et magnésium pour un litre d'eau. A l'inverse, une eau douce est une eau qui contient peu d'ions calcium et d'ions magnésium. Les ions calcium forment du calcaire, le carbonate de calcium, avec les ions carbonate. Voici la carte de France de la dureté de l'eau. Les eaux du Massif central, des Vosges et du Massif armoricain, par exemple, sont des eaux douces. Elles contiennent moins de 200 mg de calcaire dissous par litre d'eau. Les eaux de la région parisienne sont très dures. Elles contiennent jusqu'à 900 mg de calcaire dissous par litre d'eau. Il n'y a aucun danger à boire une eau dure lorsqu'on est en bonne santé. Cependant, une eau trop dure peut présenter des inconvénients d'utilisation. En effet, l'eau dure diminue les propriétés détergentes des lessives et des savons qu'il faut utiliser en plus grande quantité. Le calcaire peut se déposer sous une forme solide, appelée tartre, sur les parois des canalisations, des ballons d'eau chaude ou des chaudières. À l'inverse, une eau trop douce est une eau corrosive qui ronge les parois des canalisations, favorisant la formation de fuites. Observez sur cette image les canalisations recouvertes de calcaire et les autres qui ont été corrodées par une eau trop douce. Les bactéries se développent préférentiellement au point de fuite et de corrosion. Une eau trop douce est donc une eau qui contribue à la dégradation de la qualité de l'eau dans les canalisations. Pour à la fois protéger les équipements de l'encrassement et maintenir la qualité de l'eau lors de sa distribution, l'eau doit donc être juste assez dure pour qu'une couche protectrice de carbonate de calcium se dépose sur les parois des canalisations, les isolant ainsi de l'eau transportée.